Ok, bah, salut le spot hein, entre Cahors et Montauban. Voilà, alors sur l'île en face là, c'est le paradis des oiseaux. Il y a des oies, il y a toutes sortes d'oiseaux, des canards. C'est hallucinant. Quoi. Et puis bah là, direction l'Espagne. Et voilà, on est presque arrivé dans une cinquantaine de kilomètres. Donc nous voilà à l'appartement de David et Laurence qui ont loué un appartement à Aix-les-Thermes. Coucou les internautes. Salut. Coucou Anna. Voilà, petit appart bien sympathique. Hein. Et puis bah du coup on se retrouve ici, on voulait se faire un petit dîner apéro au camping-car, mais bon bah, il nous est arrivé une petite histoire que je vous montrerai. Demain, je vais essayer de réparer ça. Enfin, il nous arrive plusieurs trucs. Enfin, c'est un peu la galère, quoi. Mais on va quand même prendre l'apéro. Mais on va quand même prendre l'apéro. On va pas se laisser... On va pas se laisser abattre. Bricole de matériel. Voilà, on a du muscadet. On a C64. Et du saumon. Et voilà. Des légumes. Et des légumes du voisin. Et on a voilà. La poussette pour rentrer à pied. Hein. Et on a la poussette si jamais on peut rentrer à pied. Et voilà, bon, allez, à plus tard. Ciao. Allez, petite chanson pour toi. Je balade dans ma couche sur la mer, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui. Et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, tu m'as dit que j'ai rendez-vous dans un sous-sol. Après t'es fou, tu vives la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. On n'a même pas pensé, on va s'embrasser. Oh les fleurs aux Champs-Élysées. Oh aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, la vie, tout va bien. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh aux Champs-Élysées. Oh aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs-Élysées, encore, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs-Élysées, oh yeah, wow. Et nous voilà à Aix-les-Thermes sur le parking de la piscine. Bon bah il nous est arrivé pas mal d'histoires là. Donc hier il y a l'escalier qui voulait plus marcher, le frigo il voulait plus marcher au gaz, il y a eu un problème électrique, je sais pas pourquoi ni comment. Mais surtout le gros truc qui nous est arrivé, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout. Mais le problème c'est que voilà le pare-boue il s'est cassé quoi et tout est arraché donc il va falloir que je répare mais bon là j'ai pas envie de faire ça maintenant. De toute façon on a payé le parking jusqu'à demain midi donc ce qui va se passer c'est que je verrai ça soit en fin d'après-midi ou demain matin et puis il faudra le faire réparer quoi, je sais pas où. Bon on va en Espagne donc je vais essayer de trouver un garagiste en Espagne. Voilà l'histoire et puis là on se retrouve là-haut en haut du téléphérique et puis on va aller se promener par là-bas. Voilà se promener par là-bas. Ah il y a même un avion qui passe. Voilà. Tu veux dire un truc Jeanne ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien les montagnes. C'est bien les montagnes, ouais. Et toi Clémence, tu veux dire quelque chose? Clémence? Non. Non, tu veux pas dire quelque chose? Non. Bon, moi, c'est l'histoire de mon téléphone. Mon téléphone est dans le sac, donc je peux pas prendre le photo. Comme la petite hier, oui, le crayon de là. C'est rigolo. Regardez les fonds. Ça va? Ouh, t'as vu Clémence? Regarde, je suis le gars de ma chaîne.
attention. Allez. J'ai pas regardé là. Ça va. Ouais. Bah après, moi, je saute en tête. Oui. Ah bah les morilles, ouais. Mais c'est au mois d'avril. Par ici, il doit y en avoir, mais au mois d'avril. À Pâques. Parce qu'elle avait plus de chaussures, on allait passer du 26 au 28, j'ai pas compris. Tu veux de l'aide? Non. Hop, attention. J'arrive. Et voilà, la balade est finie. Donc nous revoilà de retour dans le télécabine. Ah, il y a David qui est là-bas avec sa voiture. Coucou David. Et Nicole. Ah bah ils sont pas comme ces balades. Ah ça qu'elle était pas si facile pour les filles en fait. Non. Voilà, on a pique-niqué au bout là-bas, là, sur ce petit chemin. Là. La balade. Ça veut dire qu'on était dans toute cette forêt-là. On est ressorti par la forêt, oui. Par ce petit chemin-là. Là. Oui. Et puis on a pique-niqué là-bas. Quoi. Donc toute la balade, là, elle est en gros dans cette forêt-là. Quoi. Voilà. C'est chouette. Hein. Bon, c'est beau les Pyrénées, de toute façon. Et voilà, donc on a un nouveau locataire qui tient compagnie au vélo, c'est le Parbou. Le Parbou qui s'est arraché hier soir, voilà, galère quoi. Alors du coup, on a bossé tout à l'heure avec David, on a tout démonté ça là, hop. Il était coincé en dessous, là, en dessous les barres et les machins. Enfin bon, une vraie galère, quoi. Bon, j'ai pas filmé la réparation parce que, du coup, bon, pas le temps, quoi. Puis on, voilà, on avait autre chose à faire. Donc, bah voilà, bah, on l'a mis là. Et puis, je sais pas comment je vais faire. Je crois qu'on l'emmènera au garagiste et puis il le remettra correct, quoi, sur un pont. Enfin voilà, pour dire un peu l'état des bonhommes, voilà, l'état du t-shirt déjà, ça en dit long. Donc voilà, et puis le frigo remarche, les marches, ça marche, je sais pas ce qui se passe. Quoi. C'est l'orage, du magnétisme, je sais pas, qui fait déconner l'électricité du camping-car, la pleine lune, je sais pas. Quoi. C'est incompréhensible. Voilà, bon, j'attends les autres, j'attends des nouvelles, et puis on va sûrement aller à la piscine qui est juste là, là. Donc ça c'est cool. Voilà, voilà, allez, à plus tard, ciao. Bon, la galère continue, nous voilà plantés en plein milieu du col du Chioula, voilà, super. Donc je sais pas ce qui se passe, le camion il chauffe quoi. C'est vraiment c'est la galère quoi. Donc du coup Chloé et les filles elles sont parties se balader parce que du coup David il est venu avec la Skoda pour les récupérer. Puis bah moi j'attends le dépanneur, voilà, super, hein. C'est cool. Bon bah en même temps la vue est belle, voilà. C'est sympa, sauf que. Je suis planté, super quoi. Allez, bon je vous tiens au courant quoi. Allez, à plus tard. Ça passe. Voilà quoi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire là ?
parce qu'on va essayer d'aller faire un tour en vélo. Voilà, donc on est planté au camping parce qu'il y a en fait il y a une pièce de Auguste à changer, quoi, le, je sais plus comment ça s'appelle, l'embrayage du radiateur, quoi, c'est un truc comme ça. Enfin bon, ça, du coup, ça couine de partout, ça fait un petit moment que ça couine, mais bon. Donc bah là, on est bloqué ici, à Tarascon, sur Ariège, pendant combien de temps? On sait pas, quoi. Au plus tard, on s'en va mercredi prochain, quoi, peut-être une semaine. Alors, écoute, hein, on va aller visiter les choses, quoi. Voilà, j'ai sorti les vélos, là on a fait une petite lessive ce matin, là on met les casques, et puis voilà. Après c'est un chouette coin, hein. Il y a une piscine, voilà quoi, là il y a les sanitaires, bon, donc on va aller visiter tout ça, prendre quelques images. Et on est quel jour là? On est mercredi 1er août, voilà, mercredi 1er août. On met le casque, hein, Clémence. Moi, je le serai un petit peu. Tu dis coucou, coucou. Non, jamais dire coucou. Pourquoi? Il est mieux, hein. Il est plus petit. Toi, tu dis coucou, Jeanne, ou pas? Coucou. Il est mieux. Allez, on va faire du vélo. Et voilà, j'ai sorti les vélos. Le beau vélo vintage de Chloé. Allez, à tout à l'heure. On va prendre quelques images. Ah, ça va, championne? Ouais, c'est bien le vélo. Ça se coud. Ça se coud, ouais, tu m'étonnes. Allez, Jeannie Longo. En bout de course, ça, Jeannie Longo. Clémence. Ah, elle voit pas, elle peut. Regarde, papa. Coucou. Coucou, la caméra. Non, c'est pas bien le vélo. Si? Ah. Voilà, le petit parcours pour enfants à Mercus. Allez, allez.